Salut, salut à tout le monde. Je vais faire cette vidéo parce que j'ai une jeune fille devant moi. Et je crois qu'elle fait face à beaucoup de situations. Elle-même, elle ne comprend pas. Donc d'abord, quand je la questionne, sa mère ne vit plus. Elle a moins de 30 ans. Donc, bonsoir, j'espère que vous m'écoutez. Si vous ne m'écoutez pas, vous me dites. L'histoire de la fille ici, hein, c'est typique. It's typical. Et beaucoup de personnes ont enduré ceci. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? S'il te plaît, dépose juste ça au sol, comme ça va me faire plus de lumière. Ça. Ok. Merci d'avoir pris la peine, Yami, d'écrire et de dire que tu entends bien. Mais le vent, je le prends. Regardez, hein. Regardez. Cette jeune fille, elle a eu son premier enfant. Elle s'est séparée du père de son enfant. Elle a le deuxième enfant quand elle finit son bac. Et elle se rend compte qu'elle est enceinte. Le gars qui est le père de son deuxième enfant est manipulé par sa belle famille. C'est-à-dire par la belle famille de la fille. Vous allez souvent avoir des belles familles qui vont venir voir que pourquoi le gars-ci veut, pourquoi il veut me mettre avec elle. Vous avez 22, 25 ans, 26 ans. Et vous savez qu'à l'âge-là, l'homme est encore manipulable. De toutes les façons, l'homme est même beaucoup manipulable. Voilà un homme qui n'a pas d'enfant. Il tombe sur cette femme. Il fait l'enfant avec elle. Dès qu'elle lui dit qu'elle est enceinte, il commence à dire que ce n'est pas d'abord son enfant. Et quand, du coup, je suis sûr que la belle famille avait déjà su qu'il y a une fille avec qui il sort. Ils ont commencé à refuser la fille sous prétexte qu'eux, ils vont lui trouver une autre fille. Ils trouvent maintenant, ils envoient la fille dans la ville où le gars se trouve avec la mère de son enfant. Et c'est sûrement le genre de gars que son cœur est tout sur sa famille. Le gars fait que visiter la fille, non? Ils envoient même la nouvelle fille. Le gars vient toujours voir la mère de son enfant. Et tu vois, quand tu avais un gars, tu sens que son cœur te veut. Tu sens que il n'a pas le courage. Mais tu sais que tu sens que le gars, c'est même. Et parfois, il se perd comme ça. Là, il passe une nuit avec toi, il est bien. Après, il part le lendemain, il change encore. Bam! Ce sont les gens qui sont manipulés par leur famille. Et il y en a beaucoup ici dehors. Écoutez. Ne blaguez plus. Si une femme peut se mettre dehors, elle parle à ton mari. Il part, il commence à coucher avec, il t'oublie. Madame. Lève-toi, tu commences à parler. Parle sur la nourriture que tu prépares pour l'homme là. Parle dans tout. Tu le passes à ses habits, tu parles. Tu coupes même ses ongles, tu parles sur tout. Tout ce que tu fais sur lui, ça va devenir une incantation. Protéger son mariage ici dehors, ça devient. C'est une question de vie ou de mort. J'ai lavé une femme ici hier. Quand il la lave, au moins, j'ai fait les déclarations sur la dame.
Ma gorge se coupe, je dis, mais c'est quoi ces bêtises-là? Quand c'est comme ça, je sais qu'on allait faire les incantations très, 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 très profondes sur la personne. Je commence à voir comment quelqu'un a pris son caleçon en train de tourner dans la calebasse en parlant. Après, je vois comment la personne est au bord de l'eau en train de laver son caleçon et de parler. Elle me dit, maman, maman, que mon mari vit dans une autre ville, une ville côtière. Moi, je suis ici avec les enfants. Il allait amener les femmes chez nous jusqu'à que j'ai mes habits, j'ai mes choses là-bas. Donc, ce que tu as vu là, je suis sûre que quelqu'un a pris mes habits à la maison, il est parti faire ce que tu as vu là. Parce qu'elle est venue, dit, bon, si elle a doigt, elle vit à doigt, elle m'a pas expliqué que son mari était là-bas. Elle dit qu'on s'était entendu. Donc, comme je venais ici avec les enfants, il devait me suivre dans quelques temps, quelques mois. Voilà, on remonte. Voilà, il y a presque combien d'années qu'il est toujours là-bas. Et a parlé fatigué. Écoutez, hein. Et ce que je vous dis, ce sont vos mères qui étaient censées vous montrer. Ta mère était censée tenir ta main. Quand elle voit au début, on veut dire t'épouser comme ça, là. Après, un dragueur part, deux dragueurs partent, trois, elle dit que hey, ma fille vient. Elle aligne même si lavage sur toi. Dès qu'elle vient te laver comme ça, là, dix dragueurs, bien. Il vient garer que, oh, mamie, il va aller te doter une fois, il va aller t'épouser une fois. Quand vous prenez la Bible, vous lisez Ézéchiel chapitre 16, la Bible dit que personne n'a eu pitié de toi pour te faire ces choses. Je vous ai dit, j'ai mis une vidéo sur Facebook, j'ai même parlé de ça avant-hier, je crois, deux, trois jours. Je vous ai dit, priez sur vos enfants. Priez sur vos enfants. Quand elle voit la petite fille devant moi, elle a la vingtaine. Pas de mère. Pas de mère. Sa mère est morte depuis. Quand je suis venue au Cameroun en 2017 pour faire mon mariage, comment j'ai couru? Monter, descendre pour arranger mon mariage moi-même. J'ai dit que mais je cours. Je me suis arrêtée en votre conseil, j'ai pleuré. J'ai dit, maman, si tu étais là, il y a des trucs traditionnels que je ne connais même pas. Il y a les rassemblements qu'il faut parler même. J'arrive et je ne connais pas ce qu'il faut dire. Si tu étais là, c'est que tu parles. Dès que tel oncle peut te déranger comme ça, là, tu dis, oh. Dès que tel tante veut te déranger, tu prends même 15 minutes, tu donnes. Et c'était. Est-ce que moi, je connais tout ça? Elle dit que la fille parle. La nouvelle fille qu'on a mis à la maison. Tu, ton gars avec toi, vous avez vos ouais, vous commencez. L'enfant vient. Sa famille m'a dit que ce n'est pas le genre de fille là qu'on veut pour toi. On cherche la fille, on lui donne. Comme il a peur de sa famille. Et pourquoi est-ce qu'il a peur de sa famille? Parce que toi, la fille de dehors avec qui il est, pas que tu es de dehors, tu es sanga. Tu ne connais pas toi les choses là. Tu es simpleton. Je vais écrire un livre, je vais l'intituler Manuel des simpletons. Manuel des simpletons. Il y a les choses qu'on a pris de votre vie. Tu ne savais pas, non, ça vous vivez, vous êtes marié. Il est parti lui-même déclarer que c'est elle que je veux. Monogamie. Oh, c'est mon tout. Nya, 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 nya. Il sort l'argent. Il paye. Il monte les collines de Badjoun. Il part. On le menace pour la dot. Il donne tout. Il rentre 2 ans plus tard. Il part. Manipulation spirituelle. Écoutez. Écoutez, mesdames. Écoutez. Je vous donne le diplôme, l'autorisation pour devenir des manipulatrices. Je deviens votre mère. Tu vas faire, il y aura les choses que tu vas préparer. Tu tournes comme ça, là, tu parles. Tu dis que Jean-Jacques, tu vas m'aimer. Jean-Jacques, tu vas m'aimer. Jean-Jacques, tu vas plus regarder notre fille. Parce que Jean-Jacques, elle est épousée. Jean-Jacques t'a épousée. Tu n'as pas forcé Jean-Jacques. Il a couru derrière toi, il t'a dragué. Vous vous êtes aimé. Tout ce que tu fais, ça devient une incantation. Oui, oui, oui. Appelez-moi sorcier, je m'en fous. Aguib, on a trop attaqué tes grossesses, je suis sûre.
Depuis qu'on s'est séparés, maintenant, tous les gens qui m'approchent, ce sont les gens de la quarantaine. Et quoi là, non? Quarantaine, en même temps. Rien de sérieux. Il y a le genre donc que c'était ta personne avant qu'on le gâte. Et quand toi, tu restes comme ça, tu connais que non. Et parfois, quand tu es jeune, jeune fille à 25, 26 ans, tu as les impulsions. Oh, hein, pourquoi? Oh, pourquoi tu es parti me tromper? Non, ma chérie. Comme il est sorti, parti te tromper là, ce n'était même pas lui. Il revient, Jean-Jacques revient à la maison que tu es en train de préparer. Tu prépares dans la calebasse de mamie ton. Tes paroles là. Écoute, tes paroles là. Tu parles. Tu prends trois jujubes, tu mets dans la bouche, tu mâches. Tu prends, tu mets dans la nourriture, tu dis que toute sorcellerie qu'on est en train de mettre sur mon mari, avec la nourriture, c'est ça, c'est la nourriture de paix. Tout envoûtement. Toute Jézabel. Toute manipulation. Je brise. Tu fais, tu peux servir, il mange. Toi-même, tu manges. C'est pas que tu peux faire, tu l'empoisonnes. Tu manges, il mange. Tu repasses ses habits. Tu peux même ouvrir la panerie, tu parles sur ses habits. En lavant ses habits, tu finis, tu prends le sel, les habits de tout le monde. Tu prends le sel, tu verses dans l'eau. Tu dis que comme je rince les habits, si vous n'avez plus besoin de soupline, hein, on ne veut plus la soupline. Tu prends le sel, tu verses dans l'eau, tu déclares que tout en vous, comme tu portes les vêtements-ci, aucun esprit ne peut t'attaquer. Aucun esprit. Parce que comme elle la voit aussi là comme ça, là, elle est là comme ça, là, il n'y a personne pour la défendre. Personne dans le spirituel pour te défendre. Parfois, tu peux m'embrouiller, tu te dis, ah, peut-être qu'ils ont raison. Hein. Non, mamie. Non, mamie. Non, mamie. Comme il t'avait vu au départ, parce que son cœur a fait que ting, ting, ting comme ça là sur toi. Ce n'était pas le hasard. Voilà ta faveur qui était tombée. Même si vous parlez, vous n'avez pas de problème dans votre couple. Donc tout va bien. Protégez. Protégez votre famille. Tu prépares, tu parles.